Bonjour les amis, santé et divertissement, que le grand Dieu vous bénisse. Je publie des vidéos chaque jour, avec des recettes naturelles, qui peuvent vous aider à guérir. 10 signes d'avertissement précoce de la maladie de Parkinson. Parfois, il est difficile de reconnaître si vous avez la maladie de Parkinson. Cette maladie est caractérisée par l'absence de production d'un produit chimique dans le cerveau appelé dopamine, qui est responsable d'aider les mouvements du corps et de réguler l'humeur d'une personne. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson peuvent prendre des médicaments qui aident à améliorer leurs symptômes. La maladie de Parkinson est progressive, mais si vous consultez votre médecin, il peut vous aider à suivre un traitement approprié et à améliorer la qualité de vie. Il y a quelques signes et symptômes précoces qui peuvent vous aider à reconnaître si vous souffrez de cette maladie. Si vous présentez l'un des 10 signes et symptômes de la maladie de Parkinson les plus fréquents, écrivez toutes les questions ou inquiétudes que vous avez à leur sujet et demandez à votre médecin. Aucun de ces signes ou symptômes seuls ne devrait vous inquiéter, cependant, si vous en avez plus d'un, vous devriez consulter votre médecin au sujet de la maladie de Parkinson. Un diagnostic précoce peut vous aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Discutez avec votre médecin pour élaborer un plan de soins, qui peut inclure les éléments suivants. Évaluation d'un neurologue, médecin spécialisé dans le cerveau, pour une évaluation complète de ses symptômes. Évaluation et soins d'un ergothérapeute, d'un physiothérapeute et ou d'un orthophoniste. Consultation avec un travailleur social. Commencez une routine d'exercice pour retarder la progression de symptômes plus graves. Parlez à votre famille et à vos amis qui peuvent vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Encore. Avez-vous remarqué des tremblements dans vos doigts, vos mains, votre menton ou vos lèvres? Est-ce que votre jambe bouge quand vous vous asseyez ou vous détendez? Les tremblements ou les contractions dans les extrémités sont des symptômes précoces et communs de la maladie de Parkinson. Ce qui est normal, le tremblement peut être normal après beaucoup d'exercices, si vous avez subi une blessure ou si vous avez pris des médicaments qui causent des tremblements. Petite lettre. Avez-vous remarqué que votre écriture est plus petite que dans le passé? Avez-vous remarqué que la façon dont vous écrivez les mots a changé? La taille de votre écriture a-t-elle diminué et mis plus de mots ensemble? Le changement soudain et radical dans la forme ou la taille dans laquelle vous écrivez est un symptôme précoce de la maladie de Parkinson. Ce qui est normal parfois, la façon dont nous écrivons change à mesure que nous vieillissons, ou si nos mains ou nos doigts deviennent raides ou si nous perdons la vue, mais ces changements se produisent sur une longue période et ne se produisent pas soudainement. Perte d'odeur. Avez-vous remarqué que vous ne pouvez plus sentir certains aliments comme avant? Si vous avez de la difficulté à sentir certains aliments comme les bananes, les concombres marinés ou la cannelle, vous devriez consulter votre médecin au sujet de la maladie de Parkinson. Qu'est-ce qui est normal? Le sens de l'odorat peut changer si vous avez un rhume ou une grippe ou si votre nez est congestionné. Cependant, les odeurs doivent revenir une fois que vous êtes mieux dans le froid ou la congestion. Problème avec le sommeil. Avez-vous remarqué que vous bougez beaucoup au lit, au coup de pied ou au coup de poing pendant que vous dormez bien? Avez-vous remarqué que vous avez commencé à tomber du lit pendant votre sommeil? Il se peut que votre femme, ou, remarque, et doit changer de lit. Les mouvements brusques pendant le sommeil profond peuvent être des signes précoces de la maladie de Parkinson. Ce qui est normal, il est normal d'avoir une mauvaise nuit lorsque vous ne pouvez pas vous mettre à l'aise dans votre lit et que vous ne pouvez pas dormir. Que pouvez-vous faire si vous avez la maladie de Parkinson? Difficulté en marche ou en mouvement. Ressentez-vous de la raideur dans votre corps, vos bras ou vos jambes? Parfois, la raideur disparaît lorsque vous bougez, mais si ce n'est pas le cas, cela peut être un signe précoce de la maladie de Parkinson. Si vous remarquez que vos bras ne bougent pas lorsque vous marchez, si vous sentez que vos pieds collent au sol, si vos hanches ou vos épaules sont douloureuses ou si les gens disent que vous avez l'air raide, parlez-en à votre médecin. De la maladie de Parkinson. Ce qui est normal, vous pourriez avoir de la difficulté à utiliser vos mains ou vos épaules si vous les avez blessées. D'autres maladies comme l'arthrite peuvent causer des symptômes similaires. Constipation. Souffrez-vous de constipation fréquente? Faire beaucoup d'efforts pour déféquer peut être un signe précoce de la maladie de Parkinson et vous devriez consulter votre médecin.
Ce qui est normal, le manque d'eau ou de fibres dans votre corps peut causer des problèmes de constipation. Il est également possible que certains médicaments que vous prenez vous causeront des problèmes d'aller à la salle de bain. Sinon, il y a une autre raison évidente comme un régime ou un médicament que vous devriez consulter votre docteur. Voix basse. Vous a-t-on dit que votre voix est basse ou que vous avez l'air enroué quand vous parlez? S'il y a eu des changements dans le volume de votre voix, vous devriez consulter votre médecin pour identifier la cause car elle peut être un signe de la maladie de Parkinson. Parfois, vous pouvez penser que les gens autour de vous deviennent sourds quand c'est vraiment votre voix qui change. Ce qui est normal, un rhume, une grippe ou un autre virus peut rendre votre voix différente, cependant, votre voix devrait redevenir normale une fois que vous vous serez amélioré. Échec de l'expression faciale, aspect de masque. Voix, on dit que vous avez l'air en colère, sérieux ou déprimé, même si vous n'êtes pas de mauvaise humeur. Ce type d'expression faciale s'appelle apparence de masque et, comme le manque de clignement, un signe très commun de la maladie de Parkinson. Qu'est-ce qui est normal? Certains médicaments peuvent causer ce type d'expression faciale, cependant, une fois que vous arrêtez les médicaments, ces symptômes devraient disparaître. Étourdissement ou desmayo. Avez-vous des vertiges lorsque vous vous levez d'une chaise ou de votre lit? Des étourdissements ou des évanouissements peuvent être des symptômes d'hypotension qui peuvent être liés à la maladie de Parkinson. Ce qui est normal, nous avons tous eu un moment où nous nous sommes levés et nous nous sommes sentis étourdis, mais si cela arrive fréquemment, vous devriez consulter votre médecin. Backing de l'arrière. Avez-vous remarqué que votre position debout n'est plus la même? Si vous, votre famille ou vos amis remarquez que vous vous penchez debout, cela peut être un signe précoce de la maladie de Parkinson. Qu'est-ce qui est normal? Si vous souffrez d'une blessure au dos ou si vous êtes malade, il est parfois normal que vous vous pliez un peu. En outre, certains problèmes avec vos os peuvent provoquer ce changement. Diagnostic. Il n'y a pas de moyen de diagnostiquer la maladie de Parkinson. L'analyse des symptômes et des tests de diagnostic peut conduire à l'établissement du diagnostic. Le Dr Carlos Inger de l'Université de Miami, un centre d'excellence des FNP, explique plus dans la courte vidéo, comment est diagnostiqué le Parkinson. Traitement. Actuellement, il n'y a pas de remède pour la maladie de Parkinson. La thérapie est dédiée au traitement des symptômes les plus gênants pour l'individu atteint de la maladie de Parkinson, il n'y a donc pas de traitement standard ou meilleur qui puisse être appliqué de manière égale à tous les patients. Partagez cette information avec votre famille, à coup sûr quelqu'un sera intéressé, surtout n'oubliez pas de vous abonner.